Le tunnel se refroidissait. Melnik et moi n'étions plus très loin de la surface. Bientôt, sous les hurlements du vent, nous allions devoir faire face, quel que soit ce qui nous attendait là-bas. La fin de mon long voyage approchait, mais aurais-je le courage, la volonté d'y parvenir? Hey, Artyom, quand t'as quitté ta station d'origine, pouvais-tu imaginer qu'on finirait dans un endroit pareil, ne sachant pas si nous allions sauver notre monde ou l'envoyer tout droit en enfer? Il faut franchir l'avant-poste militaire pour rejoindre la surface, Artyom. Hey. Quelque chose bouge dans la pièce suivante. Ouvre la porte. Je te couvre. Y'a jamais rien qui marche par ici. Utilise ce système manuel pour ouvrir la porte. Ok, sers-toi de cette vanne pour ouvrir la porte. Artyom, ces caisses contiennent peut-être des munitions et des millipacks. Artyom, tue-moi. Ok, c'est parti. On dirait qu'il y a personne. Avant d'atteindre la surface, mets ton masque à gaz. Sinon, tu tiendras pas debout très longtemps. On y est presque. C'est le théâtre Korolev. Il est très proche de la tour de télévision. Charge ton arme! Ils approchent. Voici, Artyom, notre but. Bravo, Ulrad. Bravo, terminé. Je reçois 5 sur 5, terminé. Nous sommes à la tour de télévision. Le groupe a-t-il évacué? Terminé. Affirmatif, contact établi. Il devrait être près de la tour de télévision à présent. Terminé. Reçu. Nous vous recontacterons du haut de la tour de télévision. Vous pourrez calculer notre position. Terminé.
Content de vous voir, colonel. Vous avez entendu ça? Mais qu'est-ce qui se passe? Restez calme. Surveillez vos arrières, les gars. Ok, ce sera plus dur que la bibliothèque. La vie était dure dans les tunnels, mais c'était chez nous. La routine y était réconfortante, toujours les mêmes visages, jour après jour. Mais depuis que les attaques des mutants s'étaient intensifiées, la peur régnait sur la station. Je venais d'avoir 20 ans. Et jamais je n'aurais pu imaginer ce qui allait se passer le matin où l'ami de mon père adoptif, Hunter, est arrivé à la barricade.